Bonjour à tous, c'est Vinsky. Avant que l'épisode du Vinsky FC commence, j'ai une annonce à vous faire. La boutique du club est enfin de nouveau disponible. Dans la description, vous avez un lien, vous avez le maillot extérieur, domicile, vous pouvez floquer le numéro, le nom de chaque type de maillot, domicile ou extérieur. Et vous avez aussi d'autres produits que je vous laisse découvrir en cliquant sur le lien dans la description. D'avance, merci pour toutes les personnes qui nous soutiendront en faisant un achat sur la boutique. Ça nous donne beaucoup de force, merci beaucoup. Et bonne vidéo à tous. Là, la balle elle arrive, ouais, la balle elle arrive, et au lieu de proposer comme ça deux à l'heure, là la balle elle arrive, vas-y bou, ouais, ouais, là, et là je m'efface, le défenseur il est perdu, il sait pas, je le suis pas, mais lui il va accélérer, etc. C'est bien messieurs, passez avec Max, let's go. Tu peux me raconter un peu le match de dimanche dernier? Bah le match de dimanche, victoire dégueulasse, hein, on va pas se mentir, 3-2, on a mené 1-0, mené 2-1 sur deux buts parce qu'on s'endort. On a une grosse réaction en deuxième mi-temps, mais franchement après, voilà, il y aura des matchs comme ça où on sera pas très bon dans le jeu, au moins on n'a pas perdu de points. En plus, ça nous permet de passer deuxième au classement, juste avant la trêve. Donc non, on va dire une victoire franchement pas belle, mais fallait la faire. Et maintenant, je crois, si on gagne avec Quevilly, on est sûr de terminer deuxième la phase aller, donc potentiellement on monte. Donc voilà, on va essayer de finir le travail dimanche. Il t'a encore donné le petit speech un peu solennel, il a pris sa petite voix douce. C'est un peu notre commentateur du Vinsky FC. C'est pour ça qu'on l'a pris au Vinsky FC Show. Ouais, il est là, tu vois, il t'analyse le match avec détail. Moi, tout ce que je sais, c'est que quand il est rentré, il était énervé de ouf. Et là, il fait le mec, il analyse. Genre. Je suis redescendu. Oui, bien évidemment. Moi, j'ai une analyse simple. Hein. On a gagné. Ouais, il y avait pas de caméra, et tant mieux. T'as vu ton petit but là? Oui, mais c'est anecdotique. Hein. Vraiment, c'est anecdotique, on a été pas très bon. Mais là, je sens de l'effervescence, il y a un peu plus de monde, il y a des gens nouveaux et tout. Enfin, nouveaux, anciens, qui sont renouveaux. Je le sens bien. Donc là, moi je joue en appui, tu la remets à Ibra. À partir du moment où là, il reçoit la balle, l'autre à droite, il part, il fait l'échelle, il lui met en profondeur. Les deux qui sont là, ils partent vers l'avant. Premier ou deuxième poteau, il y en a un qui se met en retrait. Ça se passe bien, si on arrive à cadrer les frappes, je mettrai le défenseur. Parce que mardi on a fait la même chose avec défenseur, il y a eu zéro frappe cadrée, il n'y a même pas eu de frappe. Ouais, il fait la navette. Voilà. Quand tu fais ton contrôle, tu dois voir que Herman il est plus. C'est vrai que t'allais venir, je t'ai vu là-bas, j'ai dit ouais. Faut que tu me débriefes cet exercice là. Ouais, c'était dur. Non, je vais rien dire. C'était dur, on va dire. Tu peux me débriefer cet exercice? Il y a eu zéro frappe cadrée. Ouah, t'as pris deux buts. Hein? T'as pris deux buts sur 80 frappes. J'ai pas pris 0, j'ai pris 1. Si, t'as pris deux buts. J'ai pris deux buts? Peut-être. Hein. C'était comment ton match dimanche? J'ai envie de dire mitigé.
mitigé comme la météo en ce moment. D'accord. Mitigé comme, comme ma vie, mitigé comme mon quotidien. Tu n'auras pas fait une blague, wesh. Est-ce que mitigé, ça a un sens avec le mitigeur ou pas du tout? Je sais pas ce que ça veut dire mitigeur. Super. Yes. J'ai pas la ref. Donc du coup, mitigé, tantôt bien, tantôt pas bien. Tantôt heureux, tantôt joyeux, tantôt enthousiaste, tantôt triste. Tantôt méprisant, tantôt nerveux. Merci, Risma. Merci. Un petit mot sur le temps. Justement, c'est blanc. Jusqu'ici, parfait. Tout va bien. L'important, c'est pas la chute. C'est parfait le temps là. C'est l'atterrissage. On est sur 1000 mètres de dénivelé. Tout se passe bien. Ah, gros, il fait froid, je parle pas. On adore. Vu le foot district. Ça va bien se passer, ça. Dans ces moments-là, ces moments. Le temps, il est contre nous. Mais j'ai envie de dire, tout le monde est contre nous. Tout le monde est contre nous. Il n'y a que nous qui sommes maîtres de notre destin. Si aujourd'hui on doit gagner, c'est grâce à nous. Le temps, on s'en fout. C'est notre qualité. On met l'intensité sur le terrain. On met la qualité. On met les contrôles, les passes, la simplicité. T'as kiffé ou pas? Shakespeare. Il veut être capitaine, c'est pour ça. Pardonnez-le. Bon. Du coup, on a une question d'un ultra. Ouais. C'est comment tu apportes cette deuxième partie de saison en espérant qu'elle soit riche en buts? Ouais, bah, au-delà de mes stats personnels et des buts, moi je cherche la victoire à chaque match. On puisse la monter comme vous savez bien. Et maintenant, au vu du pro de la première partie de saison, il faut qu'on puisse la monter. Et en ce qui me concerne, du coup, c'est vrai que marquer des buts, c'est aider à l'équipe et aider à la monter. Logiquement, j'espère qu'elle sera riche en buts. On va se décider. Par contre, aujourd'hui, je veux qu'on arrête de jouer dans l'esthétisme, mais qu'on joue dans l'efficacité, s'il vous plaît. Ok? Je veux qu'on arrête de tergiverser devant la surface, je veux qu'on arrête de faire les crochets. Si on peut tirer, on tire. Au sol, on arrête les lucarnes. Tout le temps, les lucarnes. On s'en fout des beaux buts. Ce qu'on veut, c'est que ça rentre. Je vous sens pas motivé, les gars. Je vous sens clairement pas motivé. Je veux que là, vous sortiez du vestiaire en tant que guerrier, vous rentrez sur le terrain, équipe en face, on s'en branle qui sait. On s'en branle qui sait. Aujourd'hui, on n'est pas des youtubeurs, on s'en branle. Aujourd'hui, on est une équipe de foot. Qui sait jouer au football et qui veut gagner. Ok? Quand on va sortir de ce terrain à la fin du match, aucun regret. On les a défoncés, du début à la fin. Est-ce que vous m'avez bien compris? Ouais. Hop 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 mec et voilà, c'est la clique du Vinsky FC. C'est tu es trop présentant, on n'est pas là pour tergiverser. On vient te montrer notre football, si on gagne c'est pas un coup de balle. Néglige, ça va te faire tout drôle. Ah, t'as le gardien et petit type qui mettent le feu dans le district. Des sportifs plutôt atypiques, quand tu passes dans sa carte mystique. Plus youtubeur que foutu, donc le marketing est très au point. On joue sur terrain, boue le lendemain au vélodrome, on marque des points. Demande pas combien le club pèse. L'après-match c'est comme tout le monde, ça finit sur du pain merguez. La relève monte, ça j'apprécie. On a des jeunes, c'est pas des petits. Quand le but c'est d'abattre l'ennemi, j'envoie les joueurs de l'académie. Des fois on brille, des fois on sert, des fois on crie, des fois on perd, des fois on kill, des fois on erre, des fois on brille, des fois on poster. Nous on reste le Vinsky FC. La marraine du championnat, on fait se déplacer les foules. Sauf quand débarque le corona, on se croirait à Bogota. Dans la haine des supporters, des tribunes est grande. Un mauvais geste, une mauvaise action. Et on se fait mettre l'amende sur le terrain. Replay sur internet, on peut pas esquiver. Faut s'estimer heureux qu'on soit suivi. Auprès de s'excuser, chaque mauvais match, on s'en veut à la mort. On a tous un peu le seum, mais on se rappelle que si on se donne encore, c'est surtout pour le fun. Des fois on rit, des fois on sert, des fois on crie, des fois on perd, des fois on kill, des fois on erre, des fois on brille, des fois on poste derrière. Nous on reste crochet, crochet. Nous on reste le Vinsky FC. Nous on reste le Vinsky FC. Des fois on rit, des fois on sert, des fois on crie, des fois on perd, des fois on kill, des fois on erre, des fois on brille, des fois on poste derrière. Nous on reste le Vinsky FC. Nous on reste le Vinsky FC.
FC. Les stats, les gars, les stats.
Alors moralement, mentalement, on est faible. Ok, ça on l'a compris. Ça on le sait. Je vous apprends rien, hein. Je vous apprends rien. On est faible. Y a pas de souci. Mais à un moment donné, il va peut-être falloir qu'on aille chercher des ressources qu'on est capable d'avoir la semaine dernière, 15 minutes. Un petit sursaut d'orgueil. Là, on commence le match. Il y en a, ils marchent. Ils ont mis 8 jours à aller chercher la balle. Il y en a, ils ont les chaussures à l'envers. Mais vraiment à l'envers. Ok, ça arrive à tout le monde. Et à un moment donné, genre, personne ne va se prendre la main ensemble et personne va y aller. Là, vous jouez à la baballe depuis 45 minutes. Vous m'expliquez pourquoi ? On perd, on doit gagner 10-0 et on est derrière, on joue à la baballe. Faites tourner, on a le temps, on a le temps. Mais de quel temps vous parlez là ? Là, on va jouer en un contrôle, une passe. On va faire comme à l'entraînement, comme on conserve deux balles. Un contrôle, une passe. Un contrôle, une passe. Pour tout le monde. À part défensivement, bien sûr. Mais dès que vous allez jouer vers l'avant, ça va être un contrôle, une passe. J'arrive pas à comprendre comment on se met en difficulté. J'arrive pas à comprendre. Première mi-temps, vous avez 4 occasions. Arrêtez de vouloir rentrer dans le but, putain. Arrêtez ça. Le ballon, il vient de là. Il arrive là, vous retournez là-bas. Pourquoi faire? C'est la base du football, les mecs. Je vais pas vous apprendre ça. Sinon on va faire les mêmes entraînements qu'à l'académie, hein. Je vais demander à Abdé qui vienne que vous fassiez les mêmes entraînements, bordel de merde. Alors faites-moi plaisir, sortez ce vestiaire et soyez une équipe, merde. Une équipe. Allez, ça va bien.
coupé le micro. Il est en direct là-bas, on entend ou pas? Non, mais j'ai fait tout peur.
chaque fois on se fait chier et on se fait peur en première pour qu'on rentre dedans à la mi-temps à chaque fois. Si vous voulez prendre des fessées à la mi-temps, vous le dites les gars. Quand on joue deux touches de balle simple, quand on fait des conservations de balles à l'entraînement, ça fonctionne à chaque fois. Dès qu'on vous met libre, c'est le bordel. Ok les gars? Ouais. Bravo, bravo, bravo. Bravo les gars. Ils sont prêts? Non. Est-ce qu'ils sont prêts? Non. Ils sont pas prêts. 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 Aujourd'hui. 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 On a joué. 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 Ecovie. 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 Polo. 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 Il a tiré. Il a tiré. Il a triplé. Il a triplé. Polo. 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 Il a tiré. Il a tiré. Il a triplé. Il a triplé.